Batignos va envoyer la robette à la VV Center. À un moment donné, ce que comme parce que la VV Center est là qui mercredi Victoria, vendredi Langa Langa Star et samedi Wana Kabola. Mais période mais comme qui caca wingé parce que wingé ne va pas envoyer belé. Alors, qu'est-ce que vous avez tout là? Tout le monde a battu ces belé lorsque qui leader on est la Koufi. Tout le monde a battu la base réparpillée. Mais depuis qu'on a vécu Niwa et Verkis, nous sentons que tous les enfants, vous êtes très unis. Mami, toi, on a payé un taxe à Bissot. Pour avoir un service, comme on a 18 ans, il faut oublier le mandat. Ça, c'est vrai. Au Lukavina. Ah bon? Oui. Bissot, 18 ans, il y a un chasseur. Il y a un dragon. Ok. Pour expliquer qu'il y a un âge à 16 ans, il va passer en charge. Il avait que 16 ans. Il a 21 ans, il a un immeuble. Ah oui. Il a 21 ans, il a un immeuble. Et il a 35 ans, il a VV Center. Il n'avait que 35 ans, il a un ok. Voilà. Et il a eu donc, apprendre à l'autonomie, il a un immeuble. Le fait que corps est vendu tous ces temps-là, des mois, parce que c'est pour la première fois que tout le monde a artiste à Koufi, des mois, nous devons venir dans Malili. Bon, on va répondre. Vous avez une bonne auto? Non, on va répondre à Ricochet, dans côté à moi, quelques minutes. Ok. Et oui, qui est mon gars, à vivre la décoration, il est en vie. Il n'y a aucun artiste. Oui. Et à la KO, non, pas décoré, à titre postif. Mais il y a déjà été en vie. La grandeur, il fallait tout préparer, on rompait bien. Ça fait pratiquement des mois et quelques jours, il nous a quittés, c'est depuis le 13 octobre. Lui, c'est l'homme d'acier, l'homme au poumon d'acier, le président directeur général, le président délégué général du groupe VV. Lui, c'est le patron de tous les musiciens congolais. Il s'appelle Kemangana Mateta Georges Verkis. Je pense que vous allez attendre de cet homme qui a ramené beaucoup de la musique. D'ailleurs, nous dirons des mois qu'on a commencé à faire les hommages et à quand ça va sortir ses corps. Et le temps est arrivé et nous sommes le dimanche 18 décembre où nous allons assister aux obsèques dignes de son nom. Lui, il a participé dans les carrières de plusieurs artistes musiciens congolais aussi. D'ailleurs, pour ne pas citer les artistes d'ailleurs, nous allons penser dernièrement, nous avons vu les hommages que cet artiste de son vivant, Manu Dibango, il a parlé de la musique congolaise. Il a cité les noms de son idole, lui c'est Verkis Kemangana qui nous a quittés. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler par rapport à ces obsèques dignes que la RDC va donner à ces grands hommes de la musique. Et ce grand homme, il était d'ailleurs dignitaire d'État. D'ailleurs, il a bradé tous les échelons de la musique congolaise, surtout ce qu'on appelle les médailles. Il a presque tout pris dans sa carrière. Et qu'est-ce que cet artiste aura aussi à détenir pour son honneur? Je ne pense pas qu'il y a une médaille dont cet artiste n'a pas pu décrocher à travers sa musique. Alors, à travers cette émission, nous allons travailler aussi, parler de ces hommages qu'on va rendre à ces grands artistes musiciens, Georges Verkis Kemangana. Nous sommes ici avec sa famille, dont ses enfants. Ils ont pensé de passer pour parler de ses obsèques et aussi de leur père qui les a formés dans toutes choses. Et vous allez remarquer à travers cette émission, nous sommes décorés par la famille Kemangana. Donc je pense que à qui je vais présenter officiellement mes condoléances à eux. Je pense que mes condoléances à vous tous. Hein. Voilà, je pense que Rodozani n'a pas de Verkis. Alors, Bangonde, il y a un papa dans Bango. Bangonde, il dit comment est-ce que tu as eu sa papa en honneur. Bangonde, il y a plus de soucis. Verkis, il y a un Congolais, mais quand même, ils ont un bateau, ils ont un train. Je pense que je les reçois aujourd'hui pour essayer un peu de parler de leur père qui nous a quittés. Donc aujourd'hui, c'est le début de ses obsèques, dont nous aurons à avoir beaucoup de précisions sur ces obsèques. Et après, nous aurons aussi à recevoir
les représentants de l'IMICO qui vont aussi parler de ces grands hommes de la culture congolaise qui est vers Kiske Mongana. Alors, nous avons Jean-Yves Kiamongana, il est là, c'est le fils parmi les fils Oyo. Il nous parlait de lui aussi des autres enfants. Bon dimanche, Jean-Yves. Voilà. Le retour est sur le Magametali Bobse qui a Papa Verkis. J'aimerais que nous découvrions chaque enfant à me compter sa combonaille. Et puis peut-être les gens vont essayer un peu de voir. Bon, nous sommes maintenant à la façon de comprendre que. Oh, ben perdre là-bas. Bah la synonyme c'est un synonyme mémo. Sont allés mémo là-bas. On comprend. Papa, on va dire mémo. Y a dans la bagarre. Bon, t'as perdu. On va dire mémo. Alors, on va d'abord se présenter. Et puis tour de rôle, le micro. Chaque enfant va donner un mot d'ailleurs. Oui, bonjour. Comme Jean-Yves Vévé Kiamangana. Ah, tout d'abord, d'accord. Jean-Yves Vévé Kiamangana, Matita. Voilà. Alors, voilà. Verkis. Aux options la Katikati. Donc, qui est un caméraman, hein, Fabiso. Voilà. Mais comme on a qui a Bikanda. Voilà. Nous avons fait bon, on va faire la Mbebo. Nous avons fait Mbebo, nous avons fait un donc, nous avons fait un Mbebo. Quand j'ai recevé Verkis, quand j'ai eu avion, j'ai dit, nous avons fait un Mbebo, nous avons fait un Mbebo, nous avons fait un. Alors, on va aller de l'autre côté. Bonjour. Moi, c'est Fifi Solange qui a Mwangana Bola. Voilà. On est bon à Missou. Alors, on va prendre encore l'autre de l'autre côté. Talara Missou. Missou Mbebo. Sora te Missou, aucun Mbebo. Voilà. On va prendre de l'autre côté. Tu es là. Alors, donc, vous allez comprendre déjà. C'est le direct. Hein. On va essayer un peu. Il fait qu'un effort à côté parce que toi, il y a. On s'est présenté, il y a un là-haut. Tous en direct. Caméra, hein? caméra, si vous pouvez nous avancer plus vite. Bon, alors, donc, entre-temps, il y a plus de micro Kuna, le temps que caméra et Zoyo. Tomata Nicolo Kuna, je pense que. Bon, il y a des bisous plus vite, hein, parce qu'on a. Ils ont aussi d'autres programmes. Hein. Voilà. On s'est présenté déjà. Vous êtes tous en ailleurs, hein? Alors moi, c'est Nicole Kiamwangana Kiwanganina, okay. Une des filles de Verkis. Ok. Il faut s'appeler chaud, bon, on a souci, mais bon, vous bloquez moi. Allô, bonjour, moi, c'est Gisèle Kiamwangana. Bandela, Obi. Bonjour, moi, c'est Gisèle Kiamwangana. Vous m'avez mis sur le même bois, donc, on a Verkis Mangana. Oui. Allô, on a bien Simon Kiamwangana. Quelle qualité? On a Simon. Simon Kiamwangana. Alors. Si vous bon récupérer Koto, voilà, bon récupérer. Voilà, donc, ça vous s'est présenté déjà. Voilà. Et tout comme nous, nous avons été là, et nous avons été là, nous matériel, famille, maman a aidé Bango, nous avons été papa a aidé Bango. Ok. Pour battre ce Bango, il a été là, il a été là. À un moment donné, ce que comme parce qu'il a été là, il a qui, mercredi, Victoria. Vendredi, il y a ça, et samedi, il y a un Kabola. Mais puis, il y a un peu de caca ou un peu parce que un peu de caca ou un peu de. Alors, question que tout le monde a battu ces belles lots qui. L'idée, on est dans la Koufi. Tout le monde a battu la base réparpillée. Mais depuis qu'on a vécu Niwa et Verkis, nous sentons que tous les enfants, vous êtes très unis. Alors, est-ce que ça, par rapport, ils vous préparent que ce cas-là, ou soit bolingo quand la famille de Bozalaki. Moi, je suis là, solo, j'ai. À quoi répondre? Qu'est-ce qui fait que Bozalini, c'est-à-dire que vous êtes à l'allemand, à maman interne, mais vous êtes tous ensemble. Nous sommes, merci encore une fois, nous sommes tous ensemble parce que dès le départ, papa, il nous disait toujours qu'il était à la fois notre papa et notre maman. Okay. Donc, Azaki, papa et maman Nabisso. Donc, qui fait que nous, les enfants, c'est pas cet événement-ci qu'on réunit Bisso. Non. Nous, on a grandi déjà unis. Depuis enfance Nabisso,
nous acquittent toujours vraiment comme un seul corps. Parce que là, ils avaient vraiment un principe de papa. Okay. Papa tenait à ça. Il avait vraiment réussi. Okay. Donc, on n'a pas de, il n'y avait pas de partage, de différence. Non. Tu es maman, maman est telle, non. Pour nous tous les enfants, tous les cas, la maman moko, papa moko. Donc, on est bon, papa éduqué, puis c'est bon. Le lot, on est bon, donc on est encore, c'est vrai que plus soudés, mais c'est pas par rapport à ça. On a toujours été soudés. Alors, vous avez une idée? Non, il a tout dit. Ah ouais? Bon, ça a même langage, apparemment. Oui, en fait, moi, je suis en train de faire un peu de temps. Parce que l'autonomie, toi, on a un peu de temps. Pour avoir une service comme on a 18 ans, faut obimanda ça c'est vrai. Au Lukavina. Ah bon? Oui. Bisous 18 ans, il y a moins chassé. On vient être d'accord. Ok. Pour expliquer qu'il est à l'âge de 16 ans, à droit qu'il va passer en charge. Il avait que 16 ans. Na 21 ans, tonni immeuble. Ah oui. Na 21 ans, tonni immeuble. Et na 35 ans, tonni VV Center. Il n'avait que 35 ans à ton agent. Ok. Voilà. Et à ça, non. Donc, apprendre à prendre autonomie, on a couru par Luka. Et ça, l'ici, le papa Zaté, personne ne se plaint à Luka. Il a dit, bah, bon, bon, il est moninga, non. Pour monter en tout, en positionné, ça l'a ébélité, ça l'a manqué, mais nous, ça, c'est de temps, mais il est moko. Oui. Voilà. Et le Kouan, c'est quelque chose de bien parce que peut-être, moi, je me suis un peu au locaté et quoi, va tirer ma. Alors, depuis le 13 octobre, Cor et Verkis est vendu dans la morgue, dans le moment où tu as le lot, tu penses le lot, tu sais que ça m'a le lot. Donc après, monsieur, tu as tout okay, tu as tout. Après, monsieur, tu as tout dans le musée national. Alors, qu'est-ce qui a fait que Cor est vendu tous ces temps-là, des mois, parce que c'est pour la première fois que tout le monde a artiste à Koufi, des mois, nous te vendu dans ma Lille. Bon, on va répondre. Vous avez une bonne auto? Non, on va répondre à Ricochet dans le côté à moi quelques minutes. Ok. Et oui, que mon gars a vu ma décoration, il y a en vie. Il n'y a aucun artiste. Oui. Et à la KO, non, pas décoré à titre posthume. Mais il y a déjà été en vie. La grandeur, il fallait tout préparer, on rompait bien. Et puis tout caler mon programme bien par rapport au gouvernement. Bon, pas seulement au gouvernement, mais chef de l'État. Oui. Et on s'est dit, bon, toujours à Tanabiso, comme nous, je suis bien structuré. Et tant que mon économie bien structurée, et on aide aussi au gouvernement, bien sûr, tout ça, mais ce n'est pas bon. Son avis, ce n'est pas bon parce que papa a été hospitalisé. Dans on a dépensé plus de 120 000 dollars. C'est bon, on a eu. Ils ont témoigné au gouvernement, ou l'État, non, bon, on a eu. Près de 120 000 dollars. Tant que tu as dit, de dépenser au moins 54 000 dollars. Donc avec les 54 000 dollars, soit Koufi, les lots, peut au Koundaï. Parce qu'avec 5 000 dollars, au Koundamoto. Mais vu son rang, vu ce qu'il a fait dans Katia Moko à Congo, l'autorité, bah, c'est ça qui vient, Bango, Bazongo, mais tout au Koubou, parce qu'il y a un patrimoine national, il y a un abus sur mon côté. Fait tout à l'État. Oui. Parce que l'État n'est pas qui t'a naïe, tant à Monique et tant à coquille par rapport à l'agenda chef de l'État, tout, m'a proposé Bissot. Bon, maintenant on est prêt. C'est tout ça. Tant ma spéculation, c'est que nous, ils ont un bon goût. Ah, bon goût, ils ont un bon goût. Parce qu'avec 5 000 au Kundamoutou, avec 10 000 au Kundamoutou, donc on a un peu Bissot Moko en intimité aussi. Oui. Mais donc, ça, là, parce qu'il y a un patrimoine national, il faut tout dire qu'à l'État, ça, m'a comme n'a pas. Mais maintenant, il y a belé, ils ont placé en vrai ici comme Moko. Pourquoi vous avez pensé miser et puis parler du peuple? En fait, penser miser n'a pas eu du peuple parce que miser Isaki est disponible que le dimanche. Ouais. Parce que samedi, Isaki est déjà prise. Miser. Okay. Alors, surtout, tout le monde a été qui est au donc, là, l'État, le gouvernement a été qui est bon pour ça, là, aussi, quoi. Voilà. Un mot. Pour commencer, on a remercié Bino, Debo Yambibiswa pour l'émission. En tout cas, nous avons parlé de Bino. Na remercier pe na musa na ngai place na sa hôpital. Moi j'habite à Paris. Donc na sa hôpital vraiment nzamba pambola ba collègue na nga nyoso
Et puis Nzamba Pambola Pé, notre pasteur, hein, Maman Blandine, Papa René. Donc, Bazaï, toujours qu'on soutenir au bisou dans ma prière. Voilà, Tokomina Souka, Kunda Papa. Et puis, public, papa, pour papa, Zaki, papa, Bane Bélé, au fait. Donc, Zaki, papa, Bissomo au karaté. Vraiment, Toye Bélé, Toza Lelo, Toza Lobby. Et puis, Nina, remercier surtout vraiment notre maman d'ici. Que Dieu la bénisse, parce que Aza, maman, y a Bane Bélé. Sotoza, unipe, boeza, ponaï. Aki, papa, Tokosa, na papa, nous dégolingi. Yangwande, Tolobi, Toza, papa, moko, maman, moko. Donc, que le Seigneur vraiment. Oui. Je remercie déjà mon mari qui est pasteur. Mm-hmm. Zala est tout le temps là, dans les prières avec papa et tout. Mm-hmm. Mes enfants. Je remercie encore mes frères et mes sœurs de rester soudés. Mais M. Papa, il est là qui aime. Au nom de tout le monde, M. Papa, qui aime. Il est là, M. Papa, pasteur. Je remercie, en tout cas, je remercie tout le monde, mes frères et sœurs. En tout cas, tout continuer. Papa, qui aime, à Zakar. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous nous sommes supportés bisous nous malgré mes soucis qui papa t'aimait le quoi baïba qui heure on est à Salaki où ils ont basé tant à Bango au baïa bavant bisous parce que deux mois vraiment c'est beaucoup mais finalement que tout comme Miwana baïa tout veille à Bango et puis lobby et aux journées moram nene poto kinderukunda voilà merci. Excusez-moi. Je remercie surtout les infirmiers qui ont accompagné Bissona Papa pendant la maladie. Merci. Voilà. Je pense que. Voilà. Viens pas là-bas. Merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Vous n'oubliez personne. Hein. Oui, maman française. Non. Vous n'oubliez personne. Très rapidement, je voudrais aussi, parce qu'il y a aussi des étrangers, oui, oui. Des Africains. Nous sommes suivis nous sur les réseaux sociaux. Oui, dans internationaux aussi. Oui, oui. Voilà. Donc, je et la chaîne passe sur satellite. En les gens plus, qui sont au bas au Congo central. Qui entendent aujourd'hui très bien Lingala. Le bas Lingala, très bien. Mais Mindele, le bas Lingala, le Béninois, le Camerounais, le Ivoirien, tout ça, les Sénégalais et tout. Et comme papa, c'était un artiste international, voilà, je voulais aussi remercier tout ce monde-là, Payanos, tous les étrangers qui nous ont soutenus de loin. Vraiment loin des yeux, près du cœur, nous vous remercions. Moi et mes frères et tous les membres de notre famille, au nom de papa, merci à vous tous. Nabaobaro s'est déplacé pour Baya parce qu'il y aura aussi des étrangers. Nous vous remercions. Voilà. Alors, Jean-Yves, je crois qu'on va clôturer avec vous. Peut-être si serait glisser un mot pour Nabato accompagner depuis. Au bandit Bitumboyo, des Baba Koufiti, Lelo, quel sera le message au Baba retenir et surtout on va se retrouver tout à l'heure dans la Musée nationale. Merci beaucoup. Merci déjà tout d'abord d'emblée, médecin au Bassiste Papa. Remercie le ministère de la Culture. Ok. Remercie l'IMICO. Ok. Parce que l'IMICO nous a assisté aussi, nous a soutenus. Merci beaucoup. Remercier Artiste à danger. Artiste à danger, bien sûr. Qui nous a aussi beaucoup assisté. Mal nécessaire. Assistance en gros, c'est que de la financière. Okay. Assistance, c'est que de la paix morale. À cause de la paix, Nathan Naya Zoya, Isaac Akas. Langou. Nazo remercier Bango. Nazo remercier Pépande Monanga. Tout d'abord, parce que moi j'étais ici et j'étais en Europe. Il m'avait fait confiance. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, exact. Il a dit qu'il a combat ma casse, mais bon. Moi, je prêche, la parole. Hein. Ouais. Donc, mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Okay. Papa, il a fait sa vie. En tout cas, ça allait tout haut, il fallait me ta salle. On a invité Bissos autour de ça, là, où il y a ça. C'est ça. Parce que tu dépassais, j'en ai un petit exemple à 16 ans. Oui, oui. Mon père n'a plus d'anecdote, Moko. Exemple, mon coup, parce que je suis souvent mon grand dernier. À un moment donné, il y a une incompréhension dans mon tout, mon l'accès. Alors, il y a un poteau dans des jours, à qui poteau, à louer avion. À son mec, 12 paires d'instruments. À un ango, il y a des balles qui ont la place de la victoire. Après, si victoire, il y a Zoa. Empire, il y a Zoa.
Afro international. Bazo de balé, mais ma personne qui l'a fait. Beaucoup de gens vont moyen de pas minimiser ou bien bailler bien bien té, bailler ba qui bien té. Dans un attaque ça on a. Qui l'a aidé ma musicien, nga ma présence, ma chanteuse ou quoi par exemple maman Bilabel. Tant tabule ayaki na studio ko ça l'empé vers longo. Abandu beta boy, papa le binété, nzembo yo. Il faut m'assaimba. Viens Nico. Oh ya daki de quoi ouais ça. Bo Congo. Neba ke ndako ja maman Bilabel. Ba yé ni na studio. Okay. Alors, tu as voulu découvrir Billy Abel au travers de Nico Bokongo. Voilà, donc, mais au travers conseil à papa. Vertis. Okay. Pépé Kalé aussi, c'était le cas. Ok. Papa m'a dit qu'il y a un peu de temps à jouer à Tébé. Kofi Olomide, c'était le cas. Et Voloko aussi, c'était le cas, en quelque sorte. Ok. Ouais. Et l'idée est presque tout au monde. Donc, à aider Bango matériellement, financièrement, spirituellement, okay. Pour bah émerger. Voilà, donc, je remercie pour la salut pour la musique congolaise. Pour moi, papa, papa, pour moi, c'est une icône, pour moi, c'était un exemple, pour moi, il était tout pour moi. Tant que je suis là, je suis là, je suis là. Je remercie Ndeye. Je remercie le chef de l'État, je remercie Nzambe, je remercie le gouverneur Abba Congo. Pour la Bosanaki. Et je remercie aussi notre mère. Je remercie aussi notre famille. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va se séparer avec la famille Kiamwangana. Vous avez compris, c'est hommage à Verkis Kiamwangana parce que c'est aujourd'hui que le corps va sortir demain. Je pense que c'est demain que le corps va sortir pour qu'on puisse lui donner un tout dernier hommage. Et merci Nabino.